Est-ce que c'était cette sauvegarde? Je crois, oui. Alors donc, il m'était venu une petite idée pour le coup. C'était d'essayer un truc. Si je mets ça, qu'est-ce que tu me dis toi? Oui. Tac tac, plutôt. Est-ce que ça passe? Voilà. Ouais, et là, ça marche tout de suite mieux. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est déjà plutôt une très très bonne nouvelle. Voilà, comme ça, là, on a notre gestion des déchets. Je vais quand même revérifier. Ouais, ça c'est cool. Donc ça c'est cool, ça marche bien ça. Tu continues à descendre toi? Ouais, ok. Du coup, je vais encore t'en rajouter un petit peu. Ok. Ensuite, je voulais repasser ces lumières sur le réseau lumière. Celle-là, il n'y avait peut-être pas. Oui, on la remettra après. Me reste que 11 câbles. Pardon. On va mettre un peu d'or.
Ça, c'est bon. Problème, c'est que si je coupe, j'ai peur que ça me coupe. Oh bah t'as presque fini. C'est parfait ça. C'est parfait. On va garder les bleus. On va garder les bleus et ici on va donc recouper. Voilà. Alors ici je vais devoir la mettre ailleurs. Ah il m'emmène n'importe quoi. Toi, ici, on va te mettre comme ça, je pense. Voilà. Là, normalement, ça sera déjà un petit peu mieux. Ok. Du coup, gros câble, j'ai plus grand chose. En faisant déjà 50. Donc là, on était bon. Alors, on va préparer. Je vais aller voir donc F1, lingot, astroloy, copper, steel, cobalt. Et c'est le style que je dois avoir en double. Donc si je mets 100 de cobalt et 100 de copper, je vais mettre 200 d'acier. Là, 400 pourquoi? Cent et donc 200 d'acier. Thank you.
Ensuite, je vais vouloir faire de l'inconel. L'inconel, c'est donc si je mets 200 d'or, j'ai 100 d'acier et 100 de nickel. Donc là, il me faut 200 d'or et 100 de nickel. Et c'est 100 d'acier. Ouais. Super. Et ensuite, je voulais, je crois, c'est de la stélite. La stélite, ça va être 100 de silicium. 50 de cobalt et 50 d'argent. De silicium, c'est 50 de cobalt. Pas que je fasse n'importe quoi. Voilà. Astroloy, Inconel et Stellite. Ouais, alors oui, c'est là en fait qu'il faut que je fasse ma petite modif. Donc du coup, on commence, on a dit c'était l'astroloy, copper, steel, cobalt. Copper, steel, cobalt. Je vais vérifier quand même. C'est le double d'acier. Ouais, c'est ça. Ok. Cool, donc là on a notre astroloï. Ensuite, on a dit c'est Inconel. Hein. Inconel, double d'or, acier, nickel. Double d'or, acier, nickel. Oui.
Ah la vache, comme il gère ça. On a notre Inconel et maintenant on veut de la stellite. La stellite, on vérifie. Double de silicone, argent, cobalt. Double de silicone, argent, cobalt. Ça va être pour la stellite. Ok. Fais-moi de la stellite. C'est bien, on a bien vidé l'hydrogène, le fuel. La stellite c'est fait, c'est parfait. Là t'es bon, là t'es bon. Vas-y, tranquillement. Vide-moi ça. Cool. Ok. Alors, maintenant, ce qu'on va vouloir... La batterie nucléaire, elle nous demande de l'Inconel et de l'Astroloy. Astroloy, ok. Alors, si je fais ça, ok. Parfait, donc du coup là on va vouloir de la batterie nucléaire. Déjà tu vas m'enlever le 50 et on va s'en mettre deux. Et est-ce qu'on a de quoi les faire? Donc il nous manque quoi? Rien, on est bon. Eh ben fais-les. Ensuite, il faut que je regarde pour refaire peut-être un petit peu de... La carte 150 et de la plaque. Là, il te reste quoi en acier? Rien. Ça c'est cool, je vais devoir remettre un deuxième chargeur. Toi, refais-moi du cadre. Ça c'est parfait. Chargeur batterie.
a pas de quoi me le faire, évidemment. Qu'est-ce qui te reste ton cuivre et fer cuivre et or. Et or 79, ok, donc là. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Maintenant la question. Alors la question c'est ouais, je devrais avoir de la place quand même au-dessus ici ou au-dessus là. Peut-être plutôt au-dessus là. Alors du coup si je mets un escalier là, ça va peut-être. De toute façon, il m'en faudra deux. De toute façon, il va m'en falloir deux. Il va m'en falloir deux. La question est de savoir comment on va les mettre. Est-ce que ça ferait ça là comme ça? Ça comme ça, on viendrait monter ici. Ah oui, mais j'avais pas pensé que j'avais. Ah oui. J'avais pas pensé que j'avais ça ici.
Donc on pourrait arriver ici et faire... Alors que je réfléchisse, on pourrait avoir l'entrée comme ça. On profiterait de l'ensoleillement, pourquoi pas. Mais du coup, on aurait quoi? 1, 2, 3. Ouais, je pourrais faire ça comme ça. En plus, on serait au-dessus. Et de toute façon, je peux encore agrandir de 1 ici. Et oui, on commence à bien perdre là, du coup. Bon, ça va, c'est fin de nuit, donc on perd 20% en fin de nuit. 10, 20, 30, 40 panneaux solaires. Faudrait que j'en remette encore 10. Et avec des grosses batteries, ça devrait le faire. Tu m'expliques pourquoi t'as pas commencé à me les faire, toi. En vrai. Et en même temps on a tiré parce qu'on est en train de recharger aussi les batteries nucléaires là. 25%. 24 minutes, c'est parce que ça commence à remonter ou quoi? Non.
Est-ce que tu vas me trouver ma station hydroponique? Te manque du nickel. Alors, question, ça va être de savoir comment on fait ça maintenant. Comment on fait ça? Question. Si je me mets comme ça, je peux gagner quoi? Parce que là, de toute façon, je ne pourrais pas. Ah, si, je peux en fait. Je pourrais très bien agrandir là. Mais est-ce que j'ai envie de ragrandir ici ou est-ce que je ferais ça plutôt là-bas? On pourra grandir sur cette longueur-là. Ici, on vitrerait. Voilà. Donc toi tu as fini de me faire ça, d'accord. Donc refais-moi des plaques maintenant. La station hydroponique, c'est bon.
C'est quoi que j'ai pu? De l'oxygène. Ok. L'oxygène, elle est pas là. Hein. Donc on a dit qu'on voulait profiter de la lumière du soleil. Donc du coup, ici on peut murer. Ça. Et on va essayer de se faire un truc assez joli. Alors, je sais pas si ça va le faire.
De l'acier, est-ce que j'en ai encore en stock là-bas? Oui. Parfait. On va en avoir besoin de pas mal. Ça, j'ai déjà monté là-haut. T'en as combien déjà? On va déjà prendre ça. Je pense que la porte. Fais ça comme ça. On va déjà laisser comme ça. C'est dingue que ça vous fait rien les filles, c'est cool, bah c'est cool mais bizarre quand même.
Du coup, ouais, ça va faire une belle serre, mais ça va me permettre de faire des tests, surtout, j'ai envie de dire. Mettre là et on aurait de la place ici, ou alors on te met là comme ça. Ouais, ça, de toute façon, c'est sûr, il va m'en falloir. C'est pas ce que j'étais venu chercher à la base, mais pourquoi pas. Tu bois un petit coup. Voilà. C'était ça que j'étais venu chercher, moi. D'un coup. Alors on va faire ça dans l'ordre, on va déjà terminer ça, histoire de ne pas en oublier. Ok, pas impossible qu'ici j'en mette aussi. Je verrai ça après.
Est-ce que mes batteries nucléaires sont rechargées? Presque. Donc c'est une des dernières fois que je prends une batterie normale. On est à 77%, le soleil vient de se lever. Ok. Donc là, alors déjà ce que je vais faire, c'est que ça je vais le prendre. Parce que c'est sûr qu'autrement, je vais encore en crafter un. Ensuite, il va me falloir deux ventilations actives. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de savoir où est-ce que je vais foutre mon CO2, sachant que mon CO2 pour arriver là, par ici, un petit peu refroidi, on pourrait le mettre là et on pourrait donc injecter. Donc là, j'ai de la hauteur, donc ça, c'est plutôt cool. Faut que je pense à mon système de refroidissement aussi. J'étais pas venu avec deux ventilations passives. Ouais. M'avait semblé quand même. Les deux ventilations actives, pardon. Bah, elles sont où? Je les ai fait tomber ou quoi? Bah oui, elles sont tombées. Bravo. Ouais, donc là en plus ce qui est bien c'est que je pourrais récupérer ce système de refroidissement. Ah ouais, ça c'est cool en fait. Ça c'est plutôt cool, on va pouvoir récupérer le système. Alors déjà avant toute chose. On va se poser ce qu'on a besoin pour le sas, ça ce sera fait. Ensuite, je vais avoir de l'EDF à tirer. Ce qui est bien, c'est que je devrais pouvoir le tirer. Ah, c'est cool, ça c'est pareil. Je vais pouvoir venir directement me chanter ici. Alors là, par contre, j'ai envie de dire, est-ce que je passerai pas sur un gros? Hein? Parce que j'ai peur d'être limite en termes d'énergie quand même. Ouais, j'ai peur d'être limite. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on relance du gros câble. Parce que sinon on va en manquer.
J'ai dit que je voulais également prendre du vert, du jaune. Pourquoi pas? On va essayer de se faire un truc assez sympa en termes de couleurs. Alors déjà, on va poser notre gros transfo, notre moyen transfo. Alors, l'EDF va arriver d'en bas, elle va arriver d'ici, donc on va pouvoir se mettre ça comme ça. On va régler ça à 25 000. 25 000, pas 250 000. Merci. Ok. Ça, ce sera pour mon système de température, ça c'est bon. Donc on va avoir. Un jaune, un vert. Ça c'est pour le CO2, ça ce sera ma purge au cas où. Alors ma purge par contre, ce qui est sûr c'est que le CO2... Je vais l'injecter. Je vais l'injecter. Donc mon système de refroidissement arrivera de là. Donc ma purge, je la mettrai après ça. Ça voilà, ça va être l'injection du CO2. Câblera par le dessus. Ensuite. Système de refroidissement qui arrivera, je pense, par là. Le système de refroidissement arrivera par là. Et le CO2. CO2, on le fera arriver au-dessus, je pense. D'ailleurs, on va faire ça comme ça. Et du coup, la purge, on pourrait la faire passer de l'autre côté. Et la faire arriver par là-bas, puisque du coup, les tuyaux sont là-bas. Ouais, on va faire ça. Voilà, la purge, tu seras de ce côté-là, toi. Comme ça. Très bien. Ici, ben, on va pouvoir mettre notre radiateur. Donc le radiateur. Donc vu que tout va être câblé en haut, on va le mettre comme ça. Hein. Ça me paraît bien. Ça, je vais déjà les renommer. Donc, du coup. Tac. Ça me paraît bien. Celle-là, faut que je la renomme aussi. D'ailleurs, il va falloir un capteur pour la serre. On va aller se faire ça tout de suite. Donc un capteur. Ah, capteur. Tac, j'en veux un. Est-ce que j'ai de quoi le faire? Parfait. Bah, vas-y, fais-moi ça. Toi, t'es toujours en train de me faire ça, c'est cool.
Ça va être le capteur pour la serre. Qu'est-ce qu'il me manque d'autre là tout de suite? A priori, rien. Mon CO2, il va être à combien de degrés? Il est très chaud. Donc, il va falloir le refroidir avant. Ok, donc le capteur, j'ai envie de dire, pourrait très bien venir comme ça. Voilà, hop. Sauter, c'était pas nécessaire. Ensuite, on va. Gentiment poser les contours. Jouer un petit peu les équilibristes. C'est quoi, tu as soif? Eh ben bois un coup mec, hein. Ok, bon, déjà ça c'est mieux. Derrière on peut déjà souder parce que je pense qu'on va pas avoir trop besoin d'intervenir. Faut que je m'occupe de faire de l'eau aussi. Faut que je pense à ramener aussi ma recharge d'oxygène ici, qu'elle soit à température. Ok, on va bien évidemment mettre pas mal de lumière. Donc là c'est bon. Là c'est bon, j'ai un capteur à poser encore ici. Alors, le DF comme ça, donc du coup le capteur pourrait venir comme ceci. C'est bon. Donc là, on a tout relié. Le DF, on a dit. Ok. Là, ça c'est bon. Ah, les batteries nucléaires sont prêtes. Alors ça, c'est fini. Hop, merci. Toi, tu viens là. Et toi, ici.
Tac. Tac. Tac, voilà, ça c'est cool par contre. On va carrément moins être embêté avec l'énergie. Donc on a dit qu'on câblait tout. Ouais, bah bravo. On câblait tout en gros. J'avais fait des plaques de verre dans le temps. Parfait. Bon, combien de temps là? 1h10, quelle heure il est? Il est 10h10. Eh ben, je vais pas tarder à arrêter. Je vais aller tondre ma pelouse, gentiment. Donc là, tac. Je vais juste poser mes vitres, ce sera fait, je serai quitte d'oublier. Voilà. Hop. Tac. C'était là que je voulais la poser en vrai. Merde, je veux nappe. Voilà. Alors, du coup, toi, c'est bon. Ici. Ok. Super, ça les vitres elles sont posées, on n'en parle plus. Hop, je vais me ramener un casier ici pour poser tout ce bordel en vrai. Ça me paraît être une excellente idée. Ok, bon. Et ben ça commence à prendre forme. Moi je vais en rester là pour ce matin et je terminerai ça. Enfin je continuerai cet après-midi, je pense. Hop, alors on va vérifier que tout est bon. Ici, on n'a plus rien qui tourne. Tac, tac, non, là-bas, ça tourne encore ou pas ça? Non. Plus d'acier, très bien. Hop. Au niveau de la filtration, tout va bien. Le four était éteint. Non, le four était pas éteint. Est-ce que... Ouais, bah c'est bon, t'es vide. Tac. Là, on est bon, là, on modifiera plus tard. Super. Ça on peut éteindre, ça on peut éteindre, ça on peut éteindre. Cool. Et là du coup on avait perdu quoi? Ouais, on perdait un peu plus d'un pour cent les batteries là. Faut que je m'occupe de ça aussi. Ok, cool. Bon, parfait. Eh bien les gens, moi je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à plus tard. Duc.